Non, moi, c'est Alex Saint-Gardien, je crois. Moi, je suis dans Kafoua. Eh bien, nous saluons tout le monde, non pas moi, c'est Marc Lubin, comme nous connaissons que dans Kafoua, nous recevons des rôles modèles qui existaient dans la nation haïtienne. Non? Quel que soit côté, nous avons cherché pour nous mener sur le podium. Non? Ce sont des Haïtiens ordinaires qui font un travail extraordinaire. Des gens que nous croisons chaque jour, et nous pas même connaissons que dans la vie quotidienne, chaque jour, les lever, chaque salle fait, il fait valeur, nous, et nous bénéficions de ça directement et indirectement. Et ce sont des gens ordinaires qui font un travail extraordinaire, soit pour famille, mais surtout pour la nation haïtienne, quel que soit côté yoye, tant que moun nous dit en créole, moun sa yo fait nous clairer tout bon. Et c'est dans ce sens ça, je dis, un haïtien ordinaire qui a fait un travail extraordinaire, que nous avons rencontré son rôle modèle qui existait déjà. Nous pas créé yo dans mi-temps kafoua. Nous allons chercher yo, nous mener yo sous podium, pour qu'on fasse un petit parler avec vous. Là, yo vini comme d'habitude, qui sa yo fait? Yo parler de vie privée yo. Yo parle de vie professionnelle, yo sacrifice que yo fait pour arriver côté que yo arriver. Et là, ou prend inspiration, ou capable ouais qui côté qu'arriver ou même tout. Sou un petit genre de courage ou t'as hésité pour dire m'pa ka faire ça et m'pa gen moyen pour me faire ça et puis l'autre des histoires que moun sa ba ou. Tant comme toujours dit, haïtien grand pile histoire. Si nous commençons tant des histoires haïtien pour nous ouais, sacrifice yo fait pour arriver côté arriver pour gagner succès. N'a tombé dans mon pays d'Haïti et n'a d'amour tout haïtien que nous croisons chaque jour parce que chaque haïtien a une histoire exceptionnelle, une histoire qui a inspiré et c'est ça que nous faisons dans Mitan Kafoua. Ou venez nous dans YouTube, Mitan Kafoua. Si vous avez besoin de supporter nous, ban nous publicité 305 557 23 22. Remets nous sur Facebook, fais amis avec nous sur Facebook. Tant pris, enregistrez, inscrit, subscribe. Dans YouTube channel Mitan Kafoua. Non moins encore, c'est Marc Lubin. Jodia, haïtien que nous avons pu voir qui rôle modèle là, monsieur Relé Alex Saint-Gardien, je crois. Monsieur son ingénieur en logiciel. Monsieur a fait un pile expérience. Monsieur fait un pile étude et il travaille plusieurs côtés. Quoi me souvle, toute connaissance que le prend, il décide pour le mettre au service pays, pour pays capable d'avancer, pour tout haïtien capable de ouais, yo même tout. Un demain qui est meilleur dans tout ça que y a fait. Et nous parlons petit parler avec M. Jodia, côté M. parler de vie privée, il parle parler de vie professionnelle, ensemble avec nous, dans Mitan Kafoua. Eh bien, on a salué tout le monde encore, non pas moi, c'est Marc Lubin, on a Mitan Kafoua. Invité nous Jodia, c'est Alex Saint-Gardien, je crois. Monsieur son professionnel chevronné. Monsieur son ingénieur en logiciel. Au fil des années, monsieur gagne un paquet d'expérience. Monsieur développé compréhension unique. Une façon que technologie est capable de rentrer dans la vie nous et permettre que nous-mêmes nous capables de servir avec elle pour nous faire un pile progrès, pour nous faire un pile bagaille qui positif, une façon plus rapide et avec un pile intelligence. Alors l'homme dit ça, ce sont des individus qui, ordinaires, qui font un travail extraordinaire. Alors Alex, et n'ap salue, n'ap dou, bienvenue dans Mitan Kafoua, comment y est? Merci Marc, moi salue ou, et c'est un grand honneur que moi dans Mitan Kafoua avec aujourd'hui pour nous parler causer ensemble pour tout le monde capable d'entendre, capable d'apprendre, surtout les jeunes d'Haïti et partout dans le monde. Mm-hmm. Mon cher, c'est avec, bon, comment capable de dire ça encore, so, moi senti que moi flatté et puis m'avais sur les ondes côté que nous capables de faire des dialogues et puis en tout le monde va l'apprendre, nous va l'entendre des choses qui étaient capables de tabou pour nous et puis à travers volonté et puis détermination nous capabiliser on prend comme si que percer la montagne prioriser côté que nous pas respecter. On cherche un plaisir pour moi avoir aujourd'hui là pour me parler de moi et puis pour on apprend de ça. Eh bien content de recevoir et Alex Saint-Gardien, je crois. Alors Alex, première question que nous toujours mandé et invité nous yo. Et qui côté au fait et qui côté aller au fait première école primaire ou secondaire et comment ça t'est? Mon cher, moi fait Haïti, fait l'hôpital général. Mm-hmm. Tout naissance moi c'est à Pétionville. Bien précisément, derrière pompe gasoline et saut, qui est en ville, c'est là que l'essence moins commencé.
je passe l'école Simon Petit de Caille-Boisette. Mm-hmm. Et puis de là, nous transférons chez les frères de Pétionville. Peut-être que nous faisons études primaires. Mais dans l'époque, c'était vraiment difficile. Études primaires, moi, pas tu un bagage qui était. C'était douce parce que moi j'ai eu un petit problème. Le problème qui était bien, c'est que papa m'a mouru vraiment de très tôt. Mm-hmm. Papa m'a mouru à nuit que moi entré à l'école là. Wow. Et qu'on est 4 ans, on est à l'âge de 7 ans. Et puis, dans la première année, j'ai perdu papa moi. Ça a été un traumatisme pour toute reste année chez les frères. Wow. Il était moi un peu en retard, comme si que. Perdu en année, ou après un refait année, tout ça. Mais, avec le temps, et puis courage, maman, qui a pleuré deux petites, pour continuer, avec un toile dans la main, vous comprenez? Et puis, il mettait nous l'école, si je suis chez les soeurs, et puis moi-même chez les frères, son bail extraordinaire, moi. Wow. Seul, pour continuer. Et maman, c'est ton professionnel l'été? Non, maman, pas professionnel, maman, c'est une femme de ménage. Ah bon. Ok, avec un toile, c'est ça que moi j'ai dit. On prend comme si c'était les femmes de ménage en Haïti. Et nous-mêmes, Captain B, maman, nous, c'est ménagère, maman, nous, c'est marchande, tout ça. Il faut que nous grandissions avec un orgueil. L'orgueil, maman, c'est que je m'étais dans moi. Maman, que je dis, moi, je voulais pour un monde. Je voulais pour un homme. Et puis, un homme, comme si que qui, avec éthique, qui ne met pas main sur bagaille, monde qui n'est pas pour lui. Mm-hmm. Et maman, son monde, je ne vais jamais être dedans, maman. Son monde qui est toujours mine. Je dis que nous sommes, si monde qui grandit avec nos critiques, nos peur de ma mère, ce n'est pas un peur comme si que on prend un petit traumatisé, non, comme si que son monde, depuis Noël, il a tellement peur, il sent qu'il y a force. Il faut marcher droite. Il fait marcher droite. Maman, pas jamais levé, mais souvent, maman, je suis en train de garder un regard et puis me comprendre. Ça va dire language. Maman, son monde qui pas jamais ri. Il rit combien là dans 2 minutes, 3 secondes, il est en mine encore. Je dis que. C'est comme ça que m'a grandi. Eh bien, tout primaire, moi, chez les frères, m'a transitionné après certificat, m'allais au collège 4 soirs. Eh bien, moi, c'est secondaire, moi, 4 soirs, moi, quitté le mal fait philo, on fait noir. Le moi, terminé, études classiques, passé baccalauréat, m'a entré Imagé. Il fait études universitaires à Imagé, côté que moi, pas terminé, parce que vous connaissez une turbulence politique, tout ça. Mm-hmm. Puis, bonne chance pour moi, dans la même période que moi, j'ai terminé à Ninagé, et puis moi, j'ai eu un visa, j'ai laissé le pays en 1992. Oh, ça veut dire que dans la famille, entre vous-même, maman et soeur, vous êtes premier monde qui parti qui est allé à l'étranger? Oui, moi, c'est première génération du côté de ma mère. Mm-hmm. Toute famille, maman, première génération qui voyager. Ok. Je veux dire que le poids est qui devant, comment que, à travers moi-même, comment je vais rentrer toute famille dans le monde. Alors, c'est que, pour mon cas comprendre, l'autre dit que tu as un problème politique, ou pour quitter Haïti. C'est qui année qu'on quitte Haïti? Parce que c'est dans la dernière année. Et il y a eu, ok, yes. Pour censé, et un diplôme pour ta commencer à travailler en tant que professionnel dans le pays, mais ou obligé de quitter. C'est qui année ça? Exactement 3 décembre 1992. Mm-hmm. 3 décembre 1992, je suis quitté pays. Depuis lors, je suis visité aux États-Unis, bien précisément à Maryland. Ok. Moi, je suis rentré en bas de trajectoire de Haïti, New York. À Port Kennedy, je viens chercher moi, monter Connecticut. Je fais 15 jours Connecticut, je suis rentré à Maryland, côté que jusqu'à date, c'est ma habité. 16 décembre 1992, m'a vive à Maryland, beaucoup jamais habité à l'autre côté dans le pays. Alors, gombay qui est important, en pile moun ki pati,
yo parti parce que yo te gen maman, yo te gen papa, soit yo te gen frère ou bien un sœur ou bien ma tante ou même son visa permettre qu'on rentre. Est-ce que l'on rentre là, c'est ka zanmi, c'est ka famille, qui gen on rentre, qui kote ou aller? Monsieur, c'est une très belle question. Moi, le m'a dit aux États-Unis d'Amérique, le jour même que m'a voyagé, par contre, qui côté me braler, parce que m'a rentré sur un visa qui ne m'appartient pas, qui n'est pas pour moi. Je dis que m'a rentré sur un décollage. Ah bon? Ok. Mm. So, le m'a voyagé, ma grand-mère, il vient là quand même le même jour, il dit que au Bralkaï, on m'attend pour. Mais j'ai un grand temps moins que ne pas jamais passer dans tête du tout. Parce que l'homme a voyagé, ménage moins qui madame moins, je dis hein, toujours, nous aimons depuis la high school. C'est lui-même qui m'a un dollar, monté aux États-Unis avec quatre quarters. Juste pour qu'elle fasse un coup de fil? Pour qu'elle fasse un coup de fil, l'homme arrivé à Port-Kennedy. Wow. Et si mon que m'braver les grandes seules pour venir chercher une importe. Wow. Alors, je dis que grand-mère dit qu'on y a là pour prendre le cahier. Ma tante, moi. Qu'on y a, yo prend, yo relé, yo vin chercher. Qu'on y a, bon. Yo vin chercher. Bon, rentre aux États-Unis. Parce que vous êtes en Haïti, c'est créole, c'est français. Et vous arrivez dans un pays côté tout le monde, c'est anglais. Moun la kayou a ben yo parle créole et puis un petit créole mélangé. Parlez de qui j'en navigué en un pays ça, qui un pays totalement étranger pour vous, ni dans la langue, ni dans la culture. Mon cher, bravo, j'ai un maman qui est extraordinaire. Chaque maman, chaque haïtien, c'est un champion dans le pays. Mm-hmm. Maman, c'est un champion de sa façon, de sa manière. Mon cher, je connais depuis Haïti, je suis un petit mot anglais. Maman, chaque vacances, maman font moi quand même le volume dans cours anglais dans pas dit auto-école qui était dans rue la mort là, pas comme tout changer ça. Mhm. Tu étais dans cours anglais chaque vacances pour 20 dollars pendant 3 mois. OK. M'a prend petit cours anglais. Bon, on a fait ça comme si on fait petit bagaille cap tuer nous. Bon, l'homme vient ici comme si que pas gain anglais du tout, c'est pas anglais par là bagaille, mais mais bon, détermination, je connais comme si que ma vie pour me réussir dans le pays. Avec quatre quarts qui étaient dans la poche, je connais ma fonction de fille qui a bien cherché. Et puis, côté qui a bien cherché, je connais que ma bien recevoir ou pas. Mais je connais ma bien vivre. Wow. Je connais ma bien vivre. Mon cher, l'homme arrivé, famille bien cherché, je connais là, je monte connecté avec moi. Le lendemain, parce que je dormais à Queen, dans Marriott Hotel, et puis je montais à Rennes, Connecticut, 13 décembre, Connecticut. Et bien, pendant que je suis Connecticut, mon bon ami du quartier, qui toujours après lui, monsieur est venu à Haïti. Moi, je me dis, monsieur, que je ne suis pas là, New York. Monsieur dit, moi, je ne suis pas à New York. Je ne suis pas là, Kyle, que lui, mais lui, même. Wow. Les amis, ça, il est juste content. Julie Hélène, il dit mon cher, quand il y a pas beaucoup, c'est Mary Hélène pour lui, avec. Je vois un ticket pour moi. Train. Moi, descends Mary Hélène, 16 décembre 1992. Tant campé là, Jude, nous valoriser ou dans Mita Kafoua. Je crois, continuez bonne histoire de vous. Mon cher, l'homme est arrivé, Jude vient chercher moi. Moi, j'ai rentré, si que moi, à tromper moi, de calendrier, j'étais un samedi. À lundi, j'ai inscrit dans Montgomery College pour m'apprendre cours anglais. J'ai payé 3 mois d'école pour moi. Wow. Après 3 mois, j'ai pris le renouvelant le 3 mois encore. J'ai dit non. Dans la librairie qui était sous côté, hein, c'est là que je après lecture, tout ça, regarder TV, genre de bagages ça. Il dit, monsieur, mon cher, m'apprendre bon l'école, qu'à bailler même quoi, fort friche. Il n'est pas pris là. M'apprendre bus, braler quand même, pour pas besoin de vanter pour vous. M'apprendre cours anglais dans l'école là, pour l'autre 6 mois. Je dis que monsieur, mon qui commence à adapter dans l'anglais à Boïsit là, dans une période de 6
à 9 mois. Commencer comme si que ou quand on dit il y a un monde qui a une détermination, c'est comme si une barrière, moi je voulais traverser barrière là avec force. Alors si l'emploi est mot créole là, où sont on est rentré et pour deux comptes ça passé, non seulement me détermination même posséder. Si n'a mettez l'en créole parce que le ou mon ici haïtien toujours dit monsieur, on est qui posséder papa. Bon voilà. Mon cher c'est comme ça. Et puis dans une fois mon qui est entré en 92, 3 décembre 92, janvier 93, moi j'ai résident en 1994. OK. M'appliquer pour asile politique, c'était sur le gouvernement de Haïti, le tenu tribulation. On peut Haïti prend coup d'État, tout ça. Et faut rappeler, mon immigration était différent par rapport à aujourd'hui, hein? Parce que si on est rentré sous décollage, ou qu'on fait papier sous non pas où. Mais c'est seulement des besoins aux États-Unis pour permettre qu'on fasse ça. Bon. Quand il y a là, moi, je fais demande d'asile politique, je accorde lui. Moi, j'ai une résidence exactement sous 2 ans. Wow. Moi, j'ai une résidence marque. J'ai une résidence à main droite, à main gauche. Je suis inscrit dans Howard Community College. J'ai habité Columbia, Maryland. Depuis lors, j'ai commencé à restructurer, reprendre direction éducation. Parce que ici, aux États-Unis, ça pour tous les jeunes garçons et jeunes filles, mais c'est dans la tête. Dans le pays ici, depuis, au pas un minimum d'éducation, il y a la difficile, en pile, vous. Wow. Avec l'éducation, à une porte qui va ouvrir pour vous. Et c'est ça que maman a toujours mis dans la tête. Exactement. Et mon cher, m'a réalisé bagaille sans que je pas fait trop grand effort dans la carrière professionnelle. Moi. Mais, quand y a là pour études universitaires moi, ici, aux États-Unis, bon bagaille pour comprendre bien moi, quoi, vous ici. Connais que c'est moins d'une tête famille ici, aux États-Unis. Du temps, faut que je travaille. Il faut aller à l'école. Il faut que l'école. Et nous connaissons ici, aux États-Unis, l'école avec le travail, et spécialement là que nous avons certaines responsabilités. Deux bagages, ça, c'est un gros challenge que j'ai. Et il y a un bagage que peut-être m'a demandé, là, c'est pas peut-être m'a demandé. Où sont les immigrants? Ou rentrer sous décollage? Ou pas une famille, son ami qui est de qui permettent que l'ouvrir porte pour faire. A commencé à apprendre anglais. Détermination fait que vous avez commencé à maîtriser la langue dans moins de 6 mois. Quand vous avez une résidence après 2 ans, vous pouvez rentrer à l'école. Et ce n'est pas même genre à l'école en Haïti. Côté où vous avez un médecin à $200. Et côté que faut payer. Et pour aller à l'école et pour aller au travail. Alors c'est que, bon, mon petit détail sur ça, parce que est-ce que vous êtes qualifié pour recevoir aide financière? Qui démarche pour faire? Parce que votre travail, faut supporter la mère, faut supporter soeur, assurément que quelques autres monde dans famille faut vous 10 dollars en 30 dollars pour vous. Exactement. Mon cher, comme si que résidence, c'était comme si c'était une porte ouverte pour monter vers l'océan. OK? Le moyen résidence, moi appliqué pour financial aid. Moi j'aime financial aid. Côté que financial aid pas tellement pas qu'il suffit pour couvrir année scolaire mobilisation pour l'aune. Alors bon dit mon yo ça et financial aid là c'est aide financière. Le monsieur dit l'aune c'est comme si son hypothèque son emprunt son pont ya qu'on le prend gain là-dedans qu'on remettre gain tout ou pas remettre mais pour pas remettre il y a condition dans qui sort est tombé mon cher pendant ce temps l'école là gain des petits tests d'examen que yo bay comme si que en sorte de compétition de pour faire maximum que yo mande hein ou a besoin comme si que bien monde qui toujours bay loan qui bay au banque qui financer genre de étudiants qui ta qui gen talent pa yo et puis qu'on y a l'école là lui-même il bay ou compensation $2000 $3000 pour mettre sous comme l'école ou pour acheter livre, conseiller de bagages. OK. Mon cher, moi participe dans bagages ça pour toutes 5 années que moi fais dans l'université ici.
participer tout le temps, je peux vous gagner des fois plus gros que compensation que moi, c'est des 5 000 $. Ok, il peut vous donner 2 000, 1 500, 1 000, il peut vous donner un petit bagage comme si tu aidais pour m'acheter le livre. Ok? Eh bien, Marc, pour entrer à l'école, là, bien entendu, moi, éducation nationale, vous voyez, papier notarié, baccalauréat 1 et 2 pour moi. Et puis, il m'a dit, vous voyez, comment, et transcrit, pour moi. Ok. Il y a admission à l'école, là, il faut l'apprécier. On est que nous sommes qui étaient dans la dernière année, moi. Il y a un pile crédit comme si que y'a moins. Ou elle est, tant qu'on ne parle pas de classe. C'est calculé, si j'ai des bases, on ne parle rien, y'a moins comme crédit. Et puis, c'est l'autre balle encore que nous croyons, il est bénéficié. Il va rappeler. Alors, Gombaï qui est important, quoi, Abdila, papier qu'on gagne en Haïti, papier. Transcript, ça veut dire relevé de notes qui sont dans l'INAGE, leur rentrer aux États-Unis avec elle, université aux États-Unis, accepter le nom et conseil de classe, d'où pas besoin de prendre parce que papier qu'on sort en Haïti, dans l'INAGE, dans l'université en Haïti, est aussi valable que ça y bail ici aux États-Unis. Est-ce que c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Correct. Ok. Raison compliquée, moi, parce que des classes, que mon temps qu'on a na inagé moi était arrivé na comptabilité intermédiaire ils ont des bagages ça yo moi des classes économie moi était ban crédit pour et pour en classe pas j'ai oublié ça professeur lié non professeur ça moi y a ni combat de solidarité là il était en cours monnaie et banque et puis c'est mon cours que moi était prend avec monsieur Duxama. Il était banque crédit pour ça. Mais ça fait tellement longtemps. Ok, il y a banque crédit. Il y a banque crédit pour mathématiques, il y a banque crédit en économie, et puis il y a banque crédit pour classe comptabilité. Wow. Ok? Parce que Guédio est vraiment haut, comme on capable de dire. Notio. Point haut. Notio est haut, on prend, et puis il y a banque crédit pour ça. Parce que le ça, mon cher, comme si que tout le bagage était. Bien passé, bien recevoir, et puis m'entrer, mais comment m'entrer en dedans, université ici, et puis, ils ont fait passer, on teste anglais, on prend le côté que ils ont fait écrit, ils ont essai, et dans la langue parlée, ils ont eu l'état, ils ont dissertation. Ok? Non, bah, bien simple, et puis m'écrit, et puis, ils ont été dans le niveau anglais pour moi entrer, hein, et puis, ils commencé l'école, là. Mais ça, c'est le premier aspect, c'est que moins que vous avez une détermination à faire l'école là, après régler, ou 21 points, nous pouvons rentrer dans qui diplôme qu'on prend. Mais c'est que, comment on balance vie travail là? Sauf même qui tête famille depuis quelque temps, depuis avant même qu'on quitte Haïti. Et qu'on y a là, au compte qui j'en baye là, depuis qu'on petit ou bien on monde dans famille, qui premier monde qui parti, monde ça, c'est le responsable famille. Et que le vle, que le bavle. Comment on fait pour balancer les deux? Bon, mon cher, pour balancer ça, au commencement, moi je fais ça 50-50. C'est-à-dire que mal l'école à demi-temps, et puis mal travail full temps. Et c'est une période qui était vraiment fatigante. Hein. Je commence à travailler dans une compagnie dans l'aéroport National Airport, Reagan National Airport. Avant le Reagan, il était Washington National Airport. Il travaille comme taxi dispatcher. OK. Travail moi commencé de 5h du matin pour 2h de l'après-midi. Pour m'entrer à l'école à 4h pour 10h du soir. Pour nous contrôler combien d'heures de temps que nous gagnons pour nous dormir. Non, pas dormir, monsieur. Du tout pas. So, c'est comme ça. Mon cher, comme si que il tiendait l'école là, comme ça.
jamais.